Si on avait cet objectif d'avoir d'audience toujours récurrente, de faire des gros scores en termes de pages vues, de reach, etc., bah, finalement, on serait un autre média, on serait passé presque. Nos fondamentaux, c'est l'enquête, les documentaires vidéo, du reportage au long cours qui prend le temps. C'est pas vraiment, c'est un truc intemporel en réalité. Toutes les équipes de Street Press se bougent pour faire en sorte que finalement nos lecteurs nous financent. C'est pas d'un côté des journalistes dans une tour d'ivoire qui écrivent, partent au bout du monde en reportage, et puis de l'autre, des petites mains qui vont vendre le journal. Non, on est là pour dialoguer avec eux, savoir ce qu'ils vivent et aussi représenter la réalité qu'ils vivent. Et c'est important pour notre communauté qui est pas forcément bien retranscrite, sa réalité n'est pas forcément bien racontée dans les médias classiques. Et c'est entre autres pour financer tout ça que vous lancez, relancez donc de manière annuelle cette campagne de dons. Ça dure jusque quand ? Jusqu'au 4 décembre. On vous donne 4 semaines pour réunir 27 000 euros. On est vraiment dans une logique de dons gratuits. Bien le bonjour. Ou bien le bonsoir, c'est Cicero. Salut Joe. Salut, comment ça va? Ça va et toi? En direct de Paris? Ouais, Montreuil, plus exactement. Plus exactement. Street Press est juste à côté de Paris, à Montreuil, ouais. Street Press dont on va causer, on va vous laisser le temps tout doucement d'arriver aussi, le temps pour ceux qui ont envie de nous rejoindre dans l'Open Newsroom et ailleurs d'ailleurs, de répliquer et pourquoi pas aussi de nous rejoindre dans IR.fm, petit salon de discussion où vous pouvez venir foutre le dawa avec nous, avec des gifs, avec des textes, on va partager des liens, on va partager plein de trucs. Super short notice évidemment, mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est le confinement, c'est les opportunités, c'est... salut Eric qui nous rejoint dans le IR aussi. C'est aussi ça qui fait le bonheur, le plaisir, l'opportunité de pouvoir se voir comme ça. Pourquoi est-ce que je vous propose cette rencontre aujourd'hui? Pourquoi est-ce que Joe est avec nous aujourd'hui? Parce que j'ai vu passer cet après-midi, c'était quoi, il y a deux heures, un truc de genre là, tu as relayé un post de Street Press. On va revenir un petit peu sur c'est quoi Street Press, hein, parce que je pense que c'est aussi l'intérêt et l'occasion d'en discuter. Média, j'ai envie de dire média innovant, alors qu'en fait... je ne pense pas que vous ayez la prétention avec Street Press d'avoir réinventé le journalisme, que du contraire, on est même plutôt sur les fondamentaux et comment faire en sorte que justement on appuie sur ces enjeux fondamentaux du journalisme. Par contre, effectivement, médias indépendants, médias qui soulèvent des lièvres, médias qui fait des scoops, médias qui fait bosser des gens. Donc c'est l'occasion et le relais que tu te faisais tout à l'heure, c'est parce que sur le modèle économique même de Street Press, la contribution des abonnés, puisque c'est gratuit, Street Press, est importante. Et vous êtes dans une phase de... C'est pas de levée de fonds, en fait, c'est une phase d'abonnement pour faire en sorte de pérenniser l'année suivante, on va dire ça comme ça? Ouais. Street Press, on a lancé il y a un an et demi maintenant la logique du membership. Donc c'est vraiment l'idée que les contenus restent en accès libre pour tous, pour plein de raisons, on pourra y revenir dessus tout à l'heure, mais financés par des gens qui le soutiennent à titre gratuit finalement, c'est du don sans réelle contrepartie, et qui font soit un don mensuel, soit ponctuel pour soutenir Street Press. Et c'est vrai que il faut à un moment donné faire passer ce message-là, et on a un temps dans l'année où on fait, c'est à l'automne. Du coup, forcément, on a démarré ce matin, ça démarre plutôt bien, et c'est encourageant, ça nous encourage dans ce qu'on fait. C'est important pour plein de raisons qu'un média ait une relation forte avec sa communauté et ses lecteurs. Et c'est un des rendez-vous, ça c'est notre rendez-vous annuel qui a démarré aujourd'hui avec toute la communauté des gens qui nous suivent tout au long de l'année. Tu disais rendez-vous annuel, ça fait combien de temps que Street Press existe là? On a un peu plus que 10 ans avec Street Press. Et c'est pour ça qu'à ce titre-là, le titre de média innovant, effectivement, ça ne marcherait pas. Mais en t'écoutant parler il y a une minute, je me disais, mais au final, c'est même l'inverse d'un média innovant. Finalement, on a un média assez à l'ancienne sur les fondamentaux. Ouais. C'est-à-dire, nos fondamentaux, c'est l'enquête, le documentaire vidéo, du reportage au long cours qui prend le temps. C'est pas vraiment, c'est un truc intemporel en réalité. Mm-hmm. Et,
Et je pense que c'est une des grosses forces du journalisme, c'est-à-dire prends le temps, enquêter, c'est là que tu vas créer de la valeur informative. Mmh. Et sur des bases saines comme ça, que je pense que tu peux aussi créer un vrai lien avec une communauté de lecteurs. Donc, au final, on n'a rien inventé. On est vraiment dans des, je pense qu'on est vraiment dans des fondamentaux qu'on travaille et sur lesquels on s'appuie pour avancer. Après, les formes de narration, la patte, l'esthétique dans la vidéo, ça doit être dans les codes actuels, évidemment. Mmh. Beaucoup de codes actuels, mais sur des fondamentaux pour lesquels, pour le coup, on ne revendique pas d'avoir inventé quoi que ce soit. De la même manière, ce qu'on appelle aujourd'hui le membership, qui est l'idée qu'un média soit financé par ses lecteurs, qui est aussi, parce que c'est comme ça que ça se passe concrètement après derrière, que les journalistes, les community managers, les JRI, toutes les équipes de Street Press se bougent pour faire en sorte que finalement nos lecteurs nous financent. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que c'est les équipes qui vendent le journal, au final. Ben, ça, on l'a pas non plus inventé. Le fait que c'est pas d'un côté des journalistes dans une tour d'ivoire qui écrivent, partent au bout du monde en reportage, et puis de l'autre, des petites mains qui vont vendre le journal. Non, c'est voilà. En fait, on est, je pense que c'est juste un retour aux fondamentaux, de la même manière que je crois pas que tu vois, échanger avec les lecteurs, c'est pas un truc nouveau, ça n'a même pas des années 2000. Quand t'allais dans les gros journaux régionaux aux US il y a 100 ans, mmh. Et ben, mmh. En fait, tu rentrais dans la tour et t'allais prendre ton café, fumer ta clope ou ta pipe et lire ton journal, et tu les croisais, les journalistes. Mmh. Un vrai lien entre les lecteurs et le journal. Du coup, en réalité, je pense qu'on est sur des fondamentaux et qu'il y a des nouvelles formes, des nouveaux codes, mais en fait, moi, ce que je prétends, c'est qu'on travaille nos fondamentaux de la presse. Mmh. Quand tu dis les nouveaux codes, je suis en train de montrer la une du site là à l'écran. Visuellement, graphiquement, le site il a beaucoup évolué aussi avec les usages aussi. Je pense non seulement des utilisateurs, mais aussi de vos journalistes, parce que c'est une des choses sur laquelle vous appuyez très fort, c'est que justement pour être journaliste à Street Press, il faut aussi avoir, comment est-ce qu'on va dire ça, un état d'esprit un peu particulier. Comment vous choisissez, comment vous dites en donner à des parce que dans il y en a qui ont fait des scoops, vous avez sorti des gros machins ces derniers temps, et pourtant c'est des journalistes que vous faites monter, vous êtes école aussi en même temps, non? Ouais, au point que pendant 7-8 ans, on a eu une école à l'intérieur de Street Press qui s'appelait la Street School. Mmh. Et du coup qui nous a permis aussi d'aller chercher des jeunes apprentis journalistes et de les former comme journalistes, mmh. qui sont après restés dans notre écosystème, qui pour certains ont été recrutés ici. Donc effectivement, il y a je pense, en tout cas une patte Street Press, une manière de se former. Mmh. En réalité, on va avoir tendance à faire entrer dans l'équipe des profils plutôt juniors, en pariant sur le fait qu'on va les accompagner dans leur projet. Après, ils restent, ils partent, parce qu'à un moment donné, on a tous des choix de vie, etc. Mmh. Mais je pense que quand tu arrives à Street Press, tu es aussi, tu arrives pour rejoindre une manière d'écrire, une manière d'enquêter, une manière de travailler qui est distincte de celle d'autres médias digitaux, pure players ou traditionnels. Et c'est important qu'il y ait cette identité-là, mmh. mais qui est pas, ça se résume pas en tout cas à un style d'écriture. C'est une manière de bosser les sujets, de vérifier les infos, de passer du temps sur le terrain avec son stylo ou sa caméra. Mais donc c'est vrai qu'il y a une patte. C'est vrai que il y a un contre-pied en fait avec la formation traditionnelle des écoles de journalisme, mmh. Où les choses sur lesquelles on va insister sont pas les mêmes. Je suis en train de lire Gomorrah, j'ai 10 ans de retard. Je suis en train de lire Gomorrah de Saviano. Ouais. Et je tweetais, je veux pas déformer ses propos, donc je vais les chercher là. On ne peut pas rajouter des tweets pour rire par hasard, si, non? Si, si, tu peux rajouter des trucs, ouais. Alors, attends, je vais le rajouter tout de suite. Normalement, dans le. Je suis à 3h du mat parce que je. Je te rajoute une box de texte. Hop. Ah, super, merci. Voilà. Il écrivait la neutralité et l'objectivité sont pour moi des terres inconnues. Mmh. C'est pas exactement notre mot d'ordre à nous,
Mais ce qu'on dit sur cette presse, c'est que, en tout cas, la neutralité journalistique, elle n'existe pas, parce qu'à chaque sujet qu'on choisit, on porte notre regard quelque part. Et sur chaque sujet, après, qu'on a choisi, on va porter notre regard parce qu'il va y avoir un angle. Et donc, ce processus, il existe, il est naturel dans toutes les rédactions. On fait ce choix de l'assumer, et on fait ce choix de l'expliquer et de l'exprimer. Mmh. Donc, ben voilà, on a fait le choix d'Israël-là, d'aller choisir ce sujet-là, et d'aller choisir cet angle-là par rapport au sujet. C'est pour ça que la... Je suis très content de voir chez Roberto Saviano cette phrase-là il y a 10 ans, comme ça, c'est forcément pas nous qui l'avons inventé, qui l'avons signé, et ça sort pas de nulle part. Je pense qu'il y a un vrai mouvement aujourd'hui à assumer ce regard-là, et je pense que les citoyens en général sont avides de médias qui assument leur regard. Mmh. Et de la même manière que moi, j'adore aussi ouvrir Rivarol, BFM Télé, Valeurs Actuelles, c'est pas la même chose, mais en tout cas, c'est des journaux qui ont des regards pour me dire qu'est-ce que eux ont été regardés aujourd'hui, comment est-ce qu'ils ont regardé la société française, et puis qu'est-ce que j'apprends et qu'est-ce que je tire de leur regard. Il n'est pas forcément assumé, à BFM Télé, on va pas forcément assumer qu'il y a un regard particulier, mais ce regard existe. Nous, on a fait le choix, en tout cas, d'assumer le fait qu'on avait un regard qui fait partie de la pluralité démocratique. Et en fait, je pense que les gens préfèrent avoir en face d'eux des médias qui disent ben voilà où on regarde, voilà comment on se situe, voilà comment on se positionne. On n'est pas des militants, on ne fait pas de la politique, mais on assume le fait que ben, pour Street Press, on va être vigilant sur tel et tel sujet. On a des engagements qui sont des thématiques qu'on suit et qu'on a choisi par choix de traiter plus que d'autres parce qu'on ne peut pas tout traiter. Et les gens veulent ça en face d'eux. Ouais. Est-ce que c'est pour... Alors, médias d'opinion, vous définissez comme ça ou... Ah non, pas du tout. Hein. Okay. C'est la vie du journaliste dans un article. Mm-hmm. Contrairement parfois à des médias qui n'ont pas assumé leur engagement ou leur regard et qui vont malgré tout donner leur avis. Donc, il y a une vraie nuance là-dessus. Ouais. On est un média d'engagement, on est un média qui, du coup, a des sujets sur lesquels il va être vigilant. Mais pour donner un exemple simple, si on se retrouvait avec un fait ou un fait que j'ai jamais vu, qui s'est jamais présenté à nous à la rédaction, mais imaginons par exemple que survienne à nous une information liée à une violence policière, on commence à enquêter, on se rend compte que il n'y a pas de violence policière, que peut-être c'est la victime qui aurait affabulé. Notre boulot, c'est de voilà, on est dessus, on a trouvé l'info, on sort l'info. On est peut-être plus expert que d'autres parce qu'on a choisi de se focaliser là-dessus on avancera comme ça. Genre, on n'est pas un média qui va choisir ce qu'il veut montrer ou pas par rapport à un agenda politique ou à des causes. C'est vraiment toute la nuance avec des médias d'opinion type Valeurs Actuelles, par exemple, qui aussi parfois masquent une faiblesse journalistique par de l'opinion. Et c'est pareil, elle est souvent à l'écran. Comment vous fonctionnez au quotidien? Toi, t'es dans la rédac tous les jours ou comment vous fonctionnez? Je sais qu'aujourd'hui vous avez développé un studio aussi sur le côté. Ça fait partie des modèles économiques aussi qui permettent de rendre ce genre d'initiative là viable. Mais comment ça se passe au quotidien? Vous fixez un volume de choses à produire ou pas? Ou comment les scoops que vous avez sortis récemment, c'est des enquêtes de longue haleine. Ça se fait pas comme ça. Le dernier en date, enfin que j'ai en tête, c'est ce policier qui sort des infos sur tout le racisme qu'il peut y avoir dans les commissariats. Il y en a eu d'autres, mais comment fonctionnez au quotidien là-dessus? Sur ça, comme sur par exemple l'enquête qu'on a sortie en parallèle avec Mediapart sur le harcèlement, le sexisme, la grossophobie chez McDo, c'est des enquêtes qui prennent plusieurs mois. Faut pas se mentir. On est très souvent à la rédac, hors Covid évidemment. C'est un lieu où on se croise beaucoup, où on reste pas forcément toute la journée, mais c'est un lieu où on se croise beaucoup et on croit vraiment tu vois, au concept d'une rédac où les choses se disent, c'est une rédac où il y a une sorte d'émulation, ça bouillonne, on se dit ce sur quoi on bosse et les infos se passent. C'est une belle ou une mouche? Ouais, il y a une mouche qui est passée devant, c'est super. Et du coup, voilà, c'est vraiment un lieu où on se retrouve et où on discute, on reste pas longtemps parce que souvent tu repars sur le terrain. Mais c'est pour ça que le confinement est compliqué, même pour moi, où je dois interdire aux gens de venir trop à la rédac parce que c'est l'endroit où
tout se joue, on ne reste pas longtemps, mais on vient, on repart. C'est valable pour toutes les rédacs. Hein, tu as toujours un papier, une grosse enquête, des papiers que tu fais plus sur une semaine et des papiers de news. On essaye de sortir un sujet par jour, quelle que soit la plateforme, soit une vidéo sur YouTube ou un article sur le site ou comme ça. Ça arrive qu'on n'y arrive pas à tenir ce truc-là. Il y a deux règles. On sort un article s'il sert à quelque chose et si personne d'autre ne l'a fait. Du coup, si quelqu'un a déjà, un autre média a déjà bien fait le boulot, bah, on va le partager. Et puis, ça ne sert à rien. Nos lecteurs nous attendent pour ce qu'on va apporter en plus. Tu vois, s'il y a un super papier sur un super portrait sur l'eBay, bah, paf, retweet. Et ils ont fait le job avant nous. Ça ne sert à rien de s'y recoller. Tu n'as pas une logique de remplissage ou exhaustif comme tu dois l'avoir dans un canard papier. Ça nous arrange bien parce qu'avec en étant une dizaine de personnes à la rédac, tu peux faire de belles choses, mais tu peux absolument pas viser à l'exhaustivité. Ça fait pas sens. Quand tu dis 10 personnes à la rédac, les profils que vous avez, c'est pas que des journalistes, j'imagine. Alors on a attends, mais, alors, où est-ce que je mets les super les Presse.com/rapport. Voilà, je vous partage ça parce que du coup, c'est on a fait ça. Alors, attends, si je vais là, ça fait quoi? Je peux écrire? Non. Ouais, normalement, tu peux écrire, ouais, pas de souci. Dans texte à la voilà, c'est notre rapport d'impact. Ok, en gros, ça te dit à quoi on a servi cette année, le dernier mois. Et puis ça explique aussi combien on est, combien on dépense chaque année, etc. Et du coup, ça va faire une très très bonne anti-sèche, tu vois, pour je peux pas faire un non, c'est juste pas possible, quoi, sans bugger, parce qu'en général c'est forcément un peu stressant. Alors voilà, ça va être beaucoup plus simple. Du coup, à la rédac, t'as un rédacteur, une rédactrice adjointe, un journaliste, une autre journaliste. Ensuite, à la vidéo, tu as 3 personnes, donc ça fait 7. Et tu as Eric, qui est community manager, qui, pour mon sens, est aussi un taf de journaliste. C'est intéressant. Qui fait 8 journalistes écrits et vidéos. Et à ça, il faut ajouter mon rôle, qui est plus un rôle de gestion aujourd'hui. Et 3 personnes, une personne qui bosse sur la partie membership, donc notamment la campagne qui est en cours. Qui explique à notre communauté, à notre écosystème, qu'il faut soutenir financièrement Street Press. Donc, son rôle, c'est de faire en sorte que ce message-là passe. Et puis, on a 2 personnes qui nous ont rejoints sur la partie production et du coup, l'unité vraiment de production vidéo. Deux personnes, du coup, ça fait 3 personnes un peu là sur la prod vidéo, du coup, qui va développer les projets pour les chaînes et les plateformes et développer les projets en marque blanche pour les ONG, des marques, des entreprises. Donc, voilà, c'est une idée de la taille de l'équipe. Ça fait 12 personnes au quotidien qui sont là, dont 8 journalistes. Ouais. Ce côté marque blanche, quand tu dis ça s'est imposé assez naturellement à vous de le faire aussi, ça. C'est le fameux rapport coût-bénéfice de okay, qu'est-ce qu'on va gagner avec ce genre de choses, jusqu'où est-ce qu'on va pas perdre notre âme en travaillant avec des marques, et en même temps les talents qui sont là, les compétences qu'on a, elles peuvent servir à ça aussi. C'est un peu ça la démarche. En fait, sans la partie studio Street Press, du coup, qui va produire pour des clients, sans que nous on apparaisse et pour eux sur leur support, sans ça, le média n'existerait pas aujourd'hui. Okay. Sur l'année dernière, c'est la moitié de nos revenus. Le reste, du coup, ça va être nos lecteurs, des annonceurs, du brand content qui apparaît, qui est diffusé auprès de notre communauté. Mais voilà, la moitié de nos revenus, c'est la partie agence. Je pense que, en fait, c'est ce qui nous a permis aussi d'être là où on est aujourd'hui, c'est-à-dire de ne pas être dépendant d'une audience qu'il aurait fallu faire grossir trop vite, d'aller chercher du clic pour du clic. Ça nous a permis d'avancer sereinement sur le modèle d'un média qui est très artisanal, parce que tu vois, on parle de 8 journalistes aujourd'hui. Et du coup, ça nous a permis de développer de manière artisanale un projet éditorial de faire avancer brique par brique, morceau par morceau, sans être attendu chaque trimestre avec des annonceurs, des audiences à assurer forcément,
produire pour avoir l'audience. J'aimerais bien qu'on produise plus de news shows, qu'on fasse des lives, qu'on fasse plein de choses qui donneraient plus de prise sur l'actualité et les événements au quotidien. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas notre force à date. C'est surtout que si tu fais ça, tu oublies toutes les enquêtes de fond. Et en réalité, notre force, c'est les enquêtes de fond. Donc, On peut pas être partout tout le temps sur tous les supports et sur tous les fronts et toutes les temporalités quand on est une équipe forcément réduite, et c'est un choix aussi. Si on avait cet objectif d'avoir de l'audience toujours récurrente, faire des gros scores en termes de pages vues, de reach, etc., finalement on serait un autre média, on serait pas Street Press. Et pour être Street Press, il fallait aussi prendre le temps de le devenir. Et du coup, ça fait qu'on a un modèle qui est équilibré, même en termes de revenus. Là, on est sur une logique où on continue à développer, bien sûr, la partie studio et agence. Ça serait stupide de ne pas continuer une affaire qui marche. Mais la logique, c'est que le financement par les lecteurs et le brand content prennent le dessus. Parce que ça fait sens, parce que pour plein de raisons, en réalité, on doit avoir un lien fort avec notre communauté. Mais voilà, produire pour une ONG, c'est... Ça fait sens par rapport à nos valeurs. Et puis, deuxièmement, ça nous permet d'avoir une réelle indépendance sur tout ce dont on va parler à l'antenne. Ouais. Ce matin, on a sorti un sujet d'enquête sur l'extrême droite et la pédophilie, ce qui est un peu touchy. Ça montre que, à l'extrême droite, dans les années 80, 90, il y avait une vraie tendance sur ces sujets-là. Christophe, le journaliste, a été déterré des dizaines de revues de l'époque qui illustrent ça. Ça a pu choquer certains de nos lecteurs. Peut-être qu'on s'est embrouillé avec certains de nos lecteurs. Mais moi, je pense que c'est parfois important d'avoir des confrontations, de ne pas toujours apporter à nos lecteurs des choses formatées comme ils les attendent ou comme ils les entendent, et de les surprendre un peu, quitte à ce que ça a créé de l'agacement. On n'est pas dans une logique de prestation de service. Donc, c'est important vis-à-vis de nos lecteurs, j'entends. On ne leur vend rien en réalité. Leur don est un truc gratuit, libre, et notre boulot est aussi sans échange marchand en réalité. C'est important d'avoir cet équilibre. D'un côté il y a les lecteurs, de l'autre côté il y a la valeur ajoutée qu'on peut apporter à une ONG, à une institution, à une marque. Et je pense que c'est bien d'avoir plusieurs jambes quand on est en 2020 et qu'on a l'ambition de continuer à développer un projet édito comme le nôtre. Et on voit qu'il peut y avoir des projets qui se cassent la gueule parce que leur modèle économique repose sur une seule jambe. C'est valable pour tous les business, hein. Particulièrement quand on cherche à être indépendant. Tu parlais du brand content aussi. Ça prend quelle forme? Parce que brand content, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des annonceurs, il y a des partenaires qui se montrent intéressés par le fait de toucher la cible que vous touchez. Comment vous la pitchez, cette audience-là, auprès de ces partenaires-là? Comment vous décrivez? C'est quoi les KPI, entre guillemets? Tu vois, parce que la marque, c'est ce qu'elle cherche. Elle dit, moi, je veux de la visibilité. OK, voilà les chiffres. Mais au-delà des chiffres, c'est surtout à qui ça parle? C'est qui l'audience de Street Press? Ouais, alors on a un média kit pour ça, c'est qui est bien. mais je vais pas aller chercher l'entité ce coup-ci. L'audience pour nous, c'est le positionnement et l'audience, c'est une jeunesse urbaine et engagée. Après, quand tu regardes les stats sur l'audience globale de Street Press, YouTube, site et les autres plateformes, tu as 74% de notre communauté qui a moins de 35 ans. Si tu vas sur YouTube, tu as un très gros pourcentage entre 17 et 24 ans. Et du coup, tu es vraiment sur un profil très urbain et qui, pour une grosse partie, a une dimension d'engagement ou de sujets sur lesquels elle va avoir une certaine sensibilité. Pas forcément sur des thématiques sur lesquelles on nous voit toujours, mais des gens pour qui... des gens qui ont des valeurs assez positives, en réalité. De ce que doit être la société française. Après, il y a plein de métriques sur le temps qui passe, etc. Les interactions qu'on peut avoir avec eux. Je pense que le mieux pour comprendre le type d'interaction qu'on peut avoir avec nos lecteurs, c'est la chaîne YouTube. Il y a énormément de commentaires, toute la partie sociale de YouTube, dans une conversation permanente. Le challenge de YouTube, c'est aussi pour nous de toucher une vraie cible jeune et vraiment populaire. Sur lequel on arrive et avec du documentaire et avec des interviews d'artistes, particulièrement de la scène rap,
avec qui on ne va pas parler d'interview promo, mais on va parler de questions de société, de questions de fond qui concernent la nouvelle génération. Ouais. YouTube, tu as un docu qu'on a sorti il y a 6-7 mois maintenant, qui a fait 1,3 million de vues, mm-hmm. un docu sur une heure, qui est sur le Bad Set, que tu connais peut-être, puisque Kobalade, le rappeur, en parle tout le temps dans ses différents titres. Mm-hmm. En fait, c'est une tour qui est sur la dalle du Parc aux Lièvres à Évry, qui va être détruite l'année prochaine, dans un cadre de renouvellement urbain. Quand tu vas sur cette dalle, en réalité, tu as la moitié des tours qui sont déjà vidées, parce que les habitants ont été déplacés et du coup ont été relogés dans d'autres zones pavillonnaires autour. Mm-hmm. Et en fait, du coup, le Bad Set, c'est Kobalade, mais c'est aussi plusieurs autres artistes de premier plan de la scène rap française. Et du coup, le sujet, il s'appuie sur ces noms-là pour raconter la transformation urbaine. Qu'est-ce que c'est ? C'est un process qu'on a vu des centaines de fois en France ces dernières années. Dans les années 60-70, on a construit des dalles avec des tours. Dans les années 90, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Et au début des années 2000, on a fait des plans pour tout détruire, tout raser et reloger les habitants. Mmh. Et comme on parle de ce sujet-là, en le travaillant en profondeur, sans être dans une empathie, « Ah, c'est triste, les gens qui vont être logés, vous êtes dans un truc magnifiant, c'est génial, les gens vont avoir des habitats plus dignes, plus agréables », en fait, c'est en traitant le sujet en fond. Et du coup, c'est un documentaire d'une heure qui aurait pu être assez ennuyant et pas du tout sexy à l'image. C'est des sujets lourds, compliqués, sérieux. Et non, en fait, on a complètement retoussé le truc. On a été au Bad Set, qui est le bâtiment le plus connu de France aujourd'hui de la nouvelle génération. Et on traite un sujet, au final, sérieux et à la base plutôt chiant. C'est traité de manière super frite et tu vas jusqu'au bout du documentaire. Donc l'idée, c'est de se servir des codes actuels, comme je disais au début, mm-hmm. pour traiter des sujets sérieux et importants. C'est ce que c'est un auto que j'aime bien, qui est dans un bouquin de journalisme que j'apprécie énormément, qui s'appelle The Elements of Journalism, sans doute du passé, mm-hmm. où les auteurs, et un qui est encore vivant, dit le rôle du journaliste, c'est de rendre attrayant les choses. Made significant, interesting and relevant. C'est vraiment le rôle d'un média et c'est le rôle d'un journaliste. Et quand tu prends des sujets importants comme la transformation urbaine, c'est un sujet chiant à la base, sérieux, éminemment important, mais chiant. Et donc, comment est-ce que tu vas le traiter réellement, en profondeur et en même temps le rendre sexy, attrayant pour notre public. Mmh. Tu disais une chose importante tout à l'heure, le community manager que tu rapproches du journalisme, c'est parce que c'est lui qui est dans les commentaires sur YouTube aussi. C'est ce qui fait aussi le lien avec la communauté et qui donne du sens et aussi qui, j'aimerais dire, qui prolonge la vie parce que c'est pas le but n'est pas de tirer en longueur, mais le but est d'avoir justement ces mouvements de va-et-vient avec la communauté pour s'inspirer de ses retours, de son feedback pour la suite. C'est à ça aussi que le community manager sert. Déjà pour répondre précisément, sur YouTube, c'est l'équipe vidéo plutôt qui d'accord. est d'accord. Okay. Parce que en fait, c'est un échange direct avec les gens, puis c'est l'équipe vidéo qui prépare les interviews, qui chope les idées, etc. Mmh. Ça aurait pu être Eric, le CM, parce qu'il aurait très bien pu le faire, mais à date, c'est l'équipe vidéo qui fait ça. Mmh. Et particulièrement Mathieu Bidan qui est aux manettes là-dessus, vu que c'est lui qui est le responsable du pôle vidéo. Après, pourquoi je pense qu'un journaliste, un CM, c'est un journaliste ? Déjà, il a fait une école de journalisme, contrairement à beaucoup d'entre nous à la rédac. Ensuite, il fait passer des infos, il re-raconte l'histoire qui a déjà été faite par d'autres journalistes avec les codes des réseaux. Il fait vraiment un taf de raconter des histoires. Mmh. Il peut aussi driver des journalistes quand ils sont sur le terrain pour, générer un live tweet ou ce genre de choses. Donc, il fait aussi un taf de red chef au final. Et puis, il va aussi récupérer de l'info en ligne. Donc, si c'est pas un boulot de journaliste, qu'est-ce que c'est ? Je sais pas ce que c'est, quoi. C'est même un journaliste qui devrait demander une augmentation parce qu'il fait journaliste, red chef, CM, enquêteur en ligne. Il fait énormément de choses. Donc, C'est définitivement un taf de journaliste. Et il est là aux conférences de rédaction. Pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Eric,
qui est arrivé il y a un mois, un petit peu plus d'un mois à ce poste-là, bah, il a un contrat, on préparait les contrats avant de lui soumettre, il a un contrat de journaliste. Et c'est entre autres. C'est pas réellement posé, en fait. Oui, bah c'est ça. Et c'est entre autres pour financer tout ça que vous lancez, relancez donc de manière annuelle cette campagne de dons. Ça dure jusque quand ? Jusqu'au 4 décembre. Jusqu'au 4 décembre. On se donne 4 semaines pour réunir 27 000 euros. Mmh. Qu'est-ce qu'on a fait ? En fait, on a regardé comment est-ce qu'on avait été soutenu par nos lecteurs mais jusqu'à aujourd'hui. Mmh. On a aussi sorti un peu notre calculette pour des précomptes de cette année. On voit qu'on doit avoir entre 800 et 1000 personnes qui nous soutiennent là jusqu'au 4 décembre pour être zen. Il faut savoir que le Covid chez nous, c'est. J'ai pas encore les chiffres exacts, mais je vais calculer ça là dans les prochains jours. C'est entre 100 et 150 000 balles de pertes sèches pour Street Press. Donc on a serré pas mal de choses. Travailler sur des financements, était chercher des prêts aussi, mais c'est pas, c'est des situations compliquées en termes de revenus, ce qui n'a pas flanché du tout pendant le premier confinement, pendant cet été, et là depuis la rentrée, c'est le soutien de nos lecteurs. Alors que pendant le confinement, typiquement notre partie agence qui va produire des contenus vidéo pour des marques ou des institutions, avec son activité est quasiment à l'arrêt. C'est là où encore je suis assez heureux et satisfait de ce pari qu'on a fait il y a un an et demi d'aller chercher le soutien de nos lecteurs parce que ils sont là, ils répondent présents. On sait qu'on doit convaincre là 800 personnes en 4 semaines, c'est totalement atteignable, mais il faut que tout le monde se mobilise à nous soutenir. Aujourd'hui, on est entre, j'ai pas les chiffres exacts, on est entre 2500 et 3000 personnes qui, un peu plus de 2500 personnes qui soutiennent Street Press. Soit ponctuellement, soit par des dons mensuels. Et voilà, on doit faire un saut et arriver au-delà arriver sur du 3500 environ d'ici la fin de l'année. Mais ça reste pour financer un travail qui n'est pas. Il n'y a pas de paywall, il n'y a pas de contenu exclusif pour ceux qui vous rémunèrent plus que d'autres. C'est pas du crowdfunding classique. C'est vraiment du soutien, c'est de l'adhésion et c'est du karma, quoi. Ouais. Absolument. En fait, à part perdre, par exemple, 6 euros par mois en soutenant Street Press, il n'y a pas grand-chose qui t'arrive. En réalité, il y a des espaces pour échanger avec nous de manière plus directe. Mais en réalité, tu pourrais quand même nous parler parce qu'on est une rédaction ouverte sans être un de nos supporters. Tu vas recevoir des newsletters qui vont peut-être plus te dire ce qu'on fait avec les sous, l'impact qu'on a pu avoir, essayer de bien expliquer l'usage qu'on fait de chaque euro qu'on reçoit. Tu vas recevoir le rapport d'impact chaque année, mais si tu veux le lire en ligne, tu pourras quand même y avoir accès. C'est pas ce qu'on a fait au tout début. Au tout début, on a avancé à tâtons. Au début, on s'était dit qu'on allait proposer des choses assez concrètes en échange, comme dans un crowdfunding. En réalité, ça fait pas sens. Puis 95% des gens qui nous soutiennent, ce qu'ils attendent de faire, qu'on fasse avec l'argent qu'ils nous donnent, c'est mieux notre boulot, plus d'enquêtes, que cet argent soit vraiment consacré à ça. Ils n'attendent pas forcément un taux de bail Street Press, quoi. Même si on avait promis qu'on le ferait, on ne l'a jamais envoyé, c'est mal, et je m'en excuse mais mille fois, mais en réalité on a vite vu dans les échanges qu'on a avec les gens qui nous ont soutenus que dans 95% des gens qui nous soutiennent, ce que les gens attendent, c'est juste qu'on fasse mieux notre boulot et qu'on le fasse plus et qu'on le fasse plus fort. Ils n'attendent pas d'avoir le joli goodies le mug à poser sur leur bureau. Donc c'est vraiment du don libre en réalité. On est dans une logique assez saine, il n'y a pas de relation marchande entre nos supporters et nous. Moi je pense que vraiment un média doit. Enfin, c'est important d'avoir le souci des lecteurs, mais pas un souci qui est dans une logique de. On doit être là pour porter les questionnements de nos lecteurs, pour les confronter à des choses qu'ils ont envie de voir, des choses qu'ils n'ont pas envie de voir. On est là pour dialoguer avec eux, savoir ce qu'ils vivent et aussi représenter la réalité qu'ils vivent. Un des rôles de médias, c'est de aussi retrouver sa réalité pour un peu se subjectiver. Et c'est important pour notre communauté qui n'est pas forcément bien retranscrite, sa réalité n'est pas forcément bien racontée dans les médias classiques. Donc on a ce rôle-là de représenter la réalité pour qu'il y ait une sorte d'estime de soi, qu'on se sente représenté.
on ne prenait pas l'impression d'être en marge du champ médiatique de la représentation nationale, qu'on soit là aussi pour animer le débat entre nos lecteurs. On a ce rôle d'animer un débat public entre les citoyens. Donc ça, c'est notre rôle. Et moi, j'ai envie que les gens qui nous soutiennent le fassent pour ce rôle-là, et pas forcément pour leur apporter leur météo du jour ou un meuf très presse, même si ça serait cool qu'on puisse le faire. On est vraiment dans une logique de don gratuit. Ouais. Et nous, le boulot qu'on fait, il n'est pas réellement intéressé vis-à-vis de nos lecteurs. C'est vraiment un... Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en fait, on a souvent on dit que les médias, c'est le cinquième pouvoir, mais c'est aussi un pilier démocratique. Donc ça doit avoir une autonomie. Je pense qu'on doit réellement avoir une autonomie dans notre manière de fonctionner. Cette indépendance-là, c'est celle-là qui va nous donner, qui nous permet de jouer notre rôle démocratique, de faire changer les choses, de... parfois jouer au bras de fer plein d'institutions quand des choses ne vont pas et qu'on veut les pousser, mais aussi jouer au bras de fer avec la vision du monde de nos lecteurs. Le monde est super complexe, et même nos lecteurs les plus fidèles, en réalité, parfois ils ont des a priori, et le rôle qu'on a, c'est de les aider à mieux comprendre la société dans sa nuance, donc leur apporter aussi des choses qu'ils n'ont pas forcément envie de voir, qu'ils n'envisageaient pas comme ça, et d'être aussi un peu énervé en lisant Street Press. Ça, c'est important, d'où cette idée de relation non marchande. Voilà. Oui, et puis c'est vrai que c'est des modèles qui... on s'adapte, quoi. Les choses changent, et puis la preuve, c'est que le contexte ici vous oblige aussi à pivoter, à changer, vous êtes impacté aussi. Et si, tant qu'il y a du mouvement, il y a de la vie. Et c'est ça aussi qui fait qu'un média change et bouge, c'est qu'il est capable de s'adapter aux contraintes dans lesquelles il fonctionne. Et c'est ce qui fait aussi le sel, je pense, de ce genre d'initiative, non ? Ce serait chiant si c'était tout le temps la même chose, non ? Ouais. En fait, je trouve que c'est un truc très artisanal, un média, tu vois, genre très artisanal. Je pense que c'est très fragile, il ne faut pas se mentir. C'est très fragile parce que économiquement, c'est fragile, et puis parce que c'est une aventure humaine qui peut exploser à peu près à tout moment, à force d'ego un peu grossissant, des choses comme ça. Je pense qu'il faut vraiment se dire que chaque moment qu'on vit dans une rédaction comme Street Press, c'est des moments assez uniques. Professionnels, mais c'est des moments uniques qui peut-être seront pas là dans 6 mois, 1 an, 5 ans, peut-être qu'ils seront encore là dans 15 ans, et c'est ce que je souhaite à Street Press, mais voilà, c'est des moments forts et en même temps très, très fragiles. Il n'y a pas de groupe de presse derrière nous, c'est ce qui fait que ce média a cette patte-là aussi, mais je pense qu'on est sur des choses qui peuvent presque s'arrêter à tout moment. Il ne faut pas se dire ça, il faut vraiment profiter et vivre ces instants de liberté journalistique qu'on peut avoir pour aller chercher nos histoires et tourner nos sujets. Et je pense que le soutien de nos lecteurs fait que tout ça va pouvoir perdurer aussi. Parce qu'un don mensuel, c'est un don qui revient chaque mois, comme tu le sais. Et du coup, 4 euros mensuels, plus 6 euros mensuels, plus 12 euros mensuels, plus 1 euro mensuel, plus 2 euros mensuels, tout ça additionné. Et ben en fait, on sait qu'ils seront là dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Ça nous permet de faire des plans et d'être serein aussi à la rédac sur ce qu'on peut développer, des enquêtes. On réfléchit à une enquête qui peut durer 6 mois, 1 an. Savoir que nos lecteurs seront encore là dans 1 an et nous aiderons à produire ce qu'on a envie de produire là où un annonceur peut décider à tout le monde d'arrêter d'être là parce que c'est un article qui n'a pas plu. Ouais. Donc voilà, si vous aussi vous voulez que Street Press soit encore là dans 15 ans, n'hésitez pas à aller apporter votre participation, 2 euros, 4 euros, 6 euros. Il n'y a pas de montant fixe, hein, si, je pense, je ne sais plus, j'ai été voir sur la je suis non, sur la page dedans. Non, il n'y a pas de montant maximal. Il y a une déduction fiscale. Le tax shelter français. Le tax shelter français. Et puis, c'est ce genre de choses. Je ne pense pas que les gens le font pour le pognon non plus, ni pour la déduction fiscale. Ce serait dommage, mais ça fait partie du game aussi de pouvoir le faire. Merci à toi, Joe, d'avoir pris le temps de venir discuter de tout ça. Et puis, bonne chance pour la suite. Au plaisir de se revoir en vrai à Paris ou ailleurs. Et puis, longue vie à Street Press. Allez donner un coup de main. Ça vaut vraiment le coup. À bientôt. Merci beaucoup. Salut Joe. Ciao.